monde, j'espère que vous allez bien. Je me préparais à faire mon swatch pour mes spritz et j'ai reçu une participation de Sylvie pour l'échange qu'on a fait de Noël. Donc, pour être sûr de ne pas montrer son adresse, j'enlève tout de suite l'enveloppe. Oh, avec un ski. Oh, ça c'est bien. Multi-enveloppe. Wow! Des boules de Noël, ça c'est toujours apprécié. Un embossage de bonhomme de neige. Très joli. Un petit peu, je vais mettre ça là. Des cartes de Noël. C'est un peu comme des cartes postales. Très joli. Ah, un autre embossage de Noël. Et des tamponnages. Ils sont mignons, les tamponnages. Après ça, on a ici... C'est froid. Il fait très, très froid. Puis je viens juste d'aller à la boîte à mal. Donc... Boîte à mal pour mes amis français, c'est notre boîte aux lettres. Je me fais souvent dire que je dis des thèmes un peu bizarres que les gens ne comprennent pas. Donc, des cocottes. Nous, on appelle ça des cocottes, mais c'est des pommes de pin. Ici, on a des tamponnages. Oh, 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 c'est froid. Ah, des cardinales! C'est génial, regardez ça. Ici, oups! Un autre ici. Ah, j'adore ça. J'en ai envoyé dans mes échanges, justement, des coupes que j'avais fait. Très joli. Ici, sur des petits napperons, avec des boules de Noël. On a des sapins, c'est comme ça déjà fait. On a des boules de Noël. Puis je pense que je viens de me commander le dice pour faire des ampoules comme ça. Oh, génial! Ici sont déjà décorés, ici c'est des découpes à décorer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Comme ça. Ah, ici, c'est les bouts pour mettre sur les ampoules. D'accord. Je vais juste remettre tout ça pour montrer que ça va tout dans le même. Ici, comme ça. On a des tamponnages. C'est de fait. J'en ai pas envoyé de tamponnage. Puis le pire, c'est que j'en ai beaucoup, beaucoup des tampons de Noël. J'ai pas eu le temps. Des bonhommes. Des couronnes. Des arbres. Bon, des sapins. Ici, on a un bonnet de mai. Beau Noël blanc et joyeux temps des fêtes. Un message de paix, d'amour et de magie pour Noël et le Nouvel An. Beau Noël blanc et joyeux temps des fêtes. Et un message d'amour, de paix, d'amour et de magie pour Noël et le Nouvel An. Ça, c'est bien parce que ces petits messages-là, vous pouvez mettre ça dans l'intérieur des enveloppes. Ça fait super, des petits messages comme ça. Hein, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une écriveuse dans les enveloppes. Je n'écris pas de romans. Moi, c'est merci d'avoir participé et à la prochaine. Papier aquarelle ou mix média, sauf les arbres. Ah, c'est bien ça. Ici, on a d'autres tamponnages et des découpes. Des clôtures. OK, c'est génial ça. Regardez ça, un ranch. Une sleigh avec des chevaux, des clôtures, des arbres, petite couronne.
Ah, un silo. Comme un silo à grains. Finalement, j'ai la ferme. Génial. Très joli. Bon. Attendez un petit peu, je vais juste resserrer ça. C'est bien ça. Et voilà. Je vais tout remettre dans ce sac-là. Ça va empêcher que ça traîne. Oups. Ici, je vais mettre ça en arrière pour ne pas les magamer. Et voilà. Ici, on a des joyeux Noël. On a des images. Est-ce que c'est des stickers? On va regarder. Non, ça n'a pas de l'air parce que c'est mince, mince. Mais c'est mignon. Des bouteilles de champagne. Une bûche. Merry Christmas. Chandelle. Ici. Candy cane. Des cannes de bonbons. Et... Ah, ça va comme ça. Des boules avec une branche. Très joli. Là, je le range dans le sac au fur et à mesure parce que mon atelier est encore bordélique, si vous saviez. Et ici, on a des petites images. De Noël, regardez. C'est vintage. Oups, ici, des petites pages. Merry Christmas. Monaco, Monte Carlo. Lorem ipsum meliora. Et voilà pour les petites images. On a aussi, je vais juste fermer la petite enveloppe, très brillant de mettre deux enveloppes comme ça et de faire des pochettes. On a des papiers, ah lui je l'ai vu, j'ai failli l'acheter, je suis contente de ne pas l'avoir acheté, mais je suis contente de l'avoir, superbe. Ici un cerf, Merry Christmas, Père Noël. Bonhomme de neige. Ah, qui est beau celui-là. Bonhomme de neige avec l'enveloppe et la boîte à mal ici. Ah, celui-là, je les ai. Et des petits hiboux. Ah, un petit peu, je viens de voir un message ici. Brodé à la main. Coller images, découpe des tempes, etc. dans l'espace blanche et connaît. Ah! Sur une base de cartes. Regardez-moi ça, le travail. Trop, trop mignon. Hey, ça, là, je suis patiente. Je vous dis, je suis très patiente. Mais de la broderie, je ne suis pas capable. J'essaye. Ça fait plusieurs fois que je m'essaye. Puis, regardez-moi ça, le travail. Hein? C'est-tu pas beau? Et ici, comme ça. Très, très, très joli. Sylvie, c'est très beau. Et ici... Ah, la carte! que cette période soit belle et heureuse. Très joli. Une autre carte réutilisable, ouais! On a toutes fait ça, hein?
Ben, merci beaucoup, Sylvie. Écoute, c'est sûr que là, nous, c'est parce qu'on a plusieurs projets, naturellement. On est en passe d'acheter notre maison bientôt, puis on veut aller vivre dans une autre région et sur le bord de la mer, mais en étant au Québec. Hein? Ça vous donne une idée, là? Et naturellement, ben, on ramasse nos sous. Donc, c'est pour ça que je fais pas mon voyage de rêve Écosse, Angleterre, Irlande, parce que, ben, à un moment donné, il faut savoir où mettre les sous, parce que, je vous ai déjà dit, on est aidant naturel. Donc, présentement, on vit dans la maison de mes beaux-parents, mais c'est ça, on ramasse nos sous pour notre propre maison. Alors, ben c'est ça. C'est pour ça que je voyage pas plus que ça. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement un beau projet qu'on a que on ne peut que faire les efforts pour. Puis je vais vous dire que je suis un petit peu dépensière, donc des fois c'est pas évident. Alors, ben écoutez, sur ce, moi je vais me préparer à faire mon swatch pour mettre mes spritz. En fait, j'avais commencé, mais j'ai oublié d'écrire le nom des trucs dessus. Et quand je viens pour les écrire, ben, la poudre rentre dans le crayon. Donc, ça va pas bien. Je vais écrire les noms d'avance avant de faire mes petites cartes. De toute façon, je vous explique tout ça dans une autre vidéo. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Puis, merci beaucoup, Sylvie. Bye bye!